Amélie, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de l'Apocalypse Challenge. Je n'ai pas touché à ce challenge depuis un bon petit moment, hein, facilement 2 mois je pense. Du coup je suis vraiment 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 hyper ravie de retrouver mon petit Angelo et sa galère de partie bien sûr. J'ai aussi pris une décision, voilà, je vous l'annonce solennellement, dans cet épisode j'ai décidé que j'allais trouver la PNJ que je cherche. Voilà, c'est décidé. J'en veux une, potentiellement j'en accepterai une deuxième. Et éventuellement, je me suis dit qu'une troisième, c'était gérable aussi. Donc j'ai 3 possibilités. La première qui passe, c'est Bingo Lotto. Et j'ai décidé que ça serait maintenant, now, dans cet épisode. J'en ai marre, je veux du crac-crac, je veux des bébés, je veux de l'avancement. Donc il est hors de question qu'on retourne encore en rond pendant 4 ou 5 épisodes. Là, terminado, je veux qu'il se trouve une femme et celle que j'ai choisie. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Je sais pas comment je vais me démerder, mais ça va se passer comme ça, voilà. Ceci étant dit, on va pas s'énerver tout de suite. On va donc aller retrouver Angelo, qui est donc niveau 5 de sa carrière, qui n'a pas encore fait ses rapports, mais qu'on va pouvoir faire parce que de mémoire, j'ai équipé sa maison d'un ordinateur, d'une chaise et d'un bureau avant de quitter l'épisode précédent. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'envoyer faire sa tâche du jour. Moi, de mon côté, tranquillou, je vais partir voir s'il n'y a pas Georgette là qui se balade. Et on revient après. Je vais voir. Allez, c'est quoi la tâche du jour? Remplir des rapports, très bien. Carrière? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Remplir des rapports. Voilà, donc je vais m'assurer qu'il s'y installe. Allez, cours mon petit, pendant que je cours, te cherche. Ah oui, putain, c'est encore Bagdad par ici. Bon, et tu feras le ménage après. Déjà, va bosser. Voilà, c'est bon, il y va. Allez, on est parti, nous. Alors, qui sont ces gens qui... Ah oui, c'est l'espèce de trouelle. Et toi, t'es qui? On se connaît pas, dis donc. Non, ça va pas être possible non plus. Je veux bien faire des efforts, mais... Toi, tu es un homme, tu ne m'intéresses pas. Enfin, moi aussi, mais... Angelo, non. Les cheveux bleus, le pantalon jaune, c'est la classe, monsieur. Continuez. Ah, ah bonjour, Don. Comment ça va? Dis-moi Don, puisqu'on est là et qu'on en parle, vu que je suis sympa avec toi, que je te mets toujours des super simsets dans les bras, il n'y aurait pas moyen que tu dises à une de tes copines, super sympa et jolie et tout, de passer dans le secteur s'il te plaît? Voilà, je te remercie, c'est pas pour moi, c'est pour un copain. Voilà, merci. Et à bientôt. Ah, je sais, faut vraiment que j'arrête. La drogue, c'est mal. Bon, ben, chou blanc, hein, comme d'hab. Mais je garde espoir. S'il faut, j'irai toutes les heures. Tout juste commencer. Ok, ensuite. Ben, ensuite, nettoyer, balayer, astiquer. Ben, la baraque, je comprends pourquoi elle vient pas, ceci dit. La baraque, elle est dégueulasse. Qui a envie de vivre là-dedans, sans déconner? Qui? Je... Voilà, même pour Angelo, moi, j'aurais pas envie, donc... Bon, allez, mon grand. Ouais, techniquement, je peux aussi me rabattre sur Elisa Pancake. Hein. Bon, c'est pas ça que je veux, mais bon. Je crois que le jeu, il sait ce que je veux. Et il veut pas me le donner, de toute façon. Ah, il y en a, t'inquiète, hein. Tu les veux, ils sont là tout le temps. Hein. Peut-être Don, il est parti chercher une de ses copines, comme je lui ai demandé. Parce qu'il est gentil, il m'aime bien, et qui sait que je suis dans la galère. Alors. Là, je vous avoue que je me tâte. Parce que Nalani, c'était pas mon choix de base, mais elle est quand même plutôt mignonne. Le problème, c'est que Nalani, elle est livrée avec accessoires. Hein? Elle est livrée avec écailles et queue de sirène incluse. Du coup, est-ce que techniquement, dans un impôt, on peut gérer une sirène en début de challenge? Savez quoi? Bougez pas, laissez-moi 2 secondes, j'interroge un expert, je reviens. Alors, après vérification auprès d'un spécialiste de la peau, alias Missing,
Il semblerait qu'une sirène, ça soit gérable, un peu chaud mais gérable. Qu'il me faudrait surtout une piscine, sauf que aujourd'hui j'ai le droit de construire mais j'ai pas de sous. Et donc il faudrait que je... Demain après-demain j'aurai des sous mais j'aurai plus le droit de construire. Donc j'ai vite fait réfléchi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir Angelo. Il va un peu passer à l'attaque, hein, à discuter, regarder les nuages, draguer. Monter la barre, enfin les barres à leur maximum, mais je vais pas l'inviter à la maison tout de suite. Il faudrait qu'on gamer quand même. Et attendre bah, une semaine. Donc le fait d'avoir monté les barres au maximum, ça devrait l'inciter à revenir, la demoiselle. Et donc du coup, ça me laisse ben, la semaine soit pour construire la piscine et faire venir Nalani, soit ça laisse une petite chance à la PNJ que j'ai choisie de se pointer entre-temps. Donc on va faire ça, je vais la draguer, faire monter les barres au maximum, et puis on verra si qui de elle ou de mon choix premier viendra. Allez, ça suffit, laisse l'évier, la flaque, les toilettes, tout ça, et viens... Faire connaissance avec le charme de Sulani. Moi, pendant ce temps-là, je continue à mater un peu, le périmètre. Et toi, Nalani, tu ne bouges pas. Tu restes là. Puis l'autre, il met 15 ans à arriver. Non, mais vas-y, elle a que ça à faire. La meuf, elle vient de se taper je sais pas combien de bornes depuis son île paradisiaque. Elle est pieds nus dans la ville, mais elle a que ça à faire de t'attendre, mon gars. Ah, ça y est, il arrive. Wouhou ! On l'applaudit bien fort. Il court aussi vite que moi, quoi. Mais lui, il tombe pas. Voilà, c'est comme ça. Comment ça va bien ? Tout ça, conversation agréable, complimenté sincèrement. Non. Non, tu dois pas y aller. Tu vas sûrement pas y aller, je te le dis. Et puis, mon gars, c'est pas le moment d'être tendu. Hein. Pourquoi t'es tendu ? Botano... Oh là là. Botanophobie. Que se passe-t-il ici? Ah oui, bah ça t'es pas rendu. Bien, on va regarder les nuages. Regarde comment c'est beau, c'est bio. Au milieu de la route, comme ça c'est bien. Non, c'est safe et tout, tu vois. Faisons-nous des amis en toute sécurité. Voilà, vous regardez les nuages, moi je regarde les PNJ. Chacun ses problèmes dans la vie, hein. Donc voilà, ils ont fini de regarder les nuages, mais j'en ai pas fini avec toi, ma petite. La barre d'amitié, c'est bien. La barre d'amour, c'est mieux. Et je veux que tu reviennes. Il va falloir que je te vende du rêve. Il va falloir que je mette des paillettes dans ta vie. Alors, des paillettes... Des spores de plantes bizarres, éventuellement. Les paillettes, on n'en a pas tellement en stock. Mais je peux mettre des spores roses dans ta vie. Je l'ai vu. La PNJ que je cherche, elle est là. Elle est là. Là. Elle est là. Vous la voyez pas parce qu'elle est cachée derrière un arbre. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, je sauvegarde. Déjà, sauvegardons, c'est important. Ensuite, rapprochons-nous. Pour être sûr que je me suis pas plantée. Mais qui vois-je donc? Dina Caliente. Alléluia, mes amis. Je vous l'avais dit. Cet épisode serait l'épisode de la rencontre avec la PNJ. Et du coup, maintenant se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me casse un peu le derrière avec mademoiselle la jolie sirène? Ou est-ce que je pars sur mon projet premier qui donne des bébés plutôt sympathiques, que j'ai galéré pendant 5 épisodes, tout ça? Je pense qu'on va lâcher la sirène, hein, sous la nuit, de toute façon c'est trop loin, et qu'on va partir sur la demoiselle. Mon dieu! Vous imaginez pas comment je suis pleine d'émotions, là. Oh là là. Oh mon dieu. 6 épisodes, au moins 10 heures de jeu, et elle apparaît. Je savais, il suffit... Non mais ça, c'est... Ça, vous savez, c'est l'instinct féminin. Il suffisait que je commence à draguer une autre fille
pour qu'elle débarque en disant hop 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, on avait dit que c'était moi, pourquoi elle est là elle, enfin voilà. Bref, allez, vas-y, laisse tomber Nalani, là, tant pis, désolé, merci, c'était sympa. Mais du coup, nous partons sur Dina, hein, écoutez, la couleur est dégueulasse, les cheveux sont vilains, mais elle a des traits de visage plutôt jolis qui se marient bien avec Angelo. Donc, voilà. On a failli se taper une sirène, une piscine et tout, le truc de ouf. Alors, j'aime autant vous dire que là, elle part pas tant qu'elle a pas emménagé. Non, non, il peut se passer n'importe quoi. Elle ne part pas tant qu'elle n'a pas emménagé. Allez, c'est parti. On passe à l'attaque. Non. Alors, je sais pas où tu vas. Mais j'aime autant te dire que tu vas t'arrêter tout de suite. Hein. Voilà. Merci. Hein. Et c'est pas la peine de te cacher derrière un camion. Je t'ai vu, il t'a vu, on t'a tous vu, d'accord ? Et t'as pas intérêt de faire ta prude là comme d'autres challenges. Genre, ah non, non, je veux pas. Je t'explique tout de suite, Dina. Ce mec là, c'est ton mari. C'est ton futur mari, le père de tes enfants, le grand-père de tes petits-enfants. Tu vas passer ta vie avec lui dans une maison pourrie qui se déglingue tout le temps. Et en plus, tu vas être heureuse. Enfin, plus ou moins. Alors. Ah, voilà, elle est contente. On va attaquer direct. On va commencer par les nuages. Non, d'abord on va lui dire qu'elle est bien habillée et tout ça. Et après on passe à la drague, complimenter la tenue et tout ça. Non, je vais pas lui donner les clés, je veux qu'elle vienne vivre. Si elle vient vivre, je lui donne des clés. Ah oui! Allez! Croisez les doigts, serrez les fesses. Tout ce que vous pouvez. Chicks from Bluff. Ah, c'est pas vrai. On est d'accord. Oui, excusez-moi, mais ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Ça fait tellement plaisir. Donc maintenant qu'elle vit à la maison, qu'on l'a sous le coup de tout ça, on va gentiment lui faire un peu de rentre dedans, hein, parce que vu le temps qu'on a perdu, j'aimerais bien quand même que cette nuit il y ait de l'action pour que dans 3 jours il y ait un bébé. Je crois qu'il faut que je fasse quitter sa profession peut-être. Elle est assistante lave-vaisselle, très bien. Est-ce que je tente de débloquer une carrière avec elle ou pas? Parce que j'ai peur de pas y arriver. Je crois que je vais pas la faire travailler en fait, parce que clairement, elle est plus toute jeune, mes mères, et j'aime autant qu'elle fasse des enfants en fait. Voilà, donc ceci étant dit, elle pète la forme, lui un petit peu moins. Alors, on va faire pipi, on va manger à varier, vomir, et après on passe à l'action. Oui, mais j'aime toujours autant l'enchaînement des événements. Donc voilà, Dina, ta vie, ça va être ménage, bébé, bébé, ménage. Voilà. Quel bébé, dans un impôt. Tu n'auras même pas le droit de te laver. Mais peut-être que tes enfants te permettront de... Ah, mais je viens d'avoir une idée. J'allais dire, peut-être que tes enfants te permettront de changer un peu de tronche. Mais puisque les adultes peuvent faire les jobs d'ado maintenant, je vais lui faire débloquer une carrière d'ado. Je suis un génie. Donc, elle va aller débloquer la carrière... ado d'employés de commerce qui permettra d'aller leur prévoir une tenue pour un peu la revoquer et surtout de pouvoir acheter des choses n'importe quel jour et pas uniquement le dimanche. Donc comme les carrières d'ado ne comptent que 3 niveaux si je ne m'abuse, ça devrait aller. Alors non, tout ça je veux pas. Voilà, c'est ça. Employé, oui, alors tout ça, non, hein, ça fait pas partie des métiers. Ce sera donc employé de commerce. Qu'est-ce que c'est? On peut choisir nos horaires, dis donc. Si c'est pas beau, j'ai envie de te dire, 18h, 22h ou 9h, 13h. Bon, allez, 18h, 22h.
Soyons fous. J'avais jamais remarqué qu'on pouvait choisir. Vas-y, on passe la seconde. Complimenter. Enlacé. Oui, non, complimenter, c'est pas passer la seconde, mais bon. Premier baiser, échangé sur une plage. Oui, j'arrête. Il fait déjà suffisamment de manches comme ça. Attention. Wouhou! Voilà, 10 heures d'attente et en 2 secondes, il t'emballe l'affaire. Oh, ça valait le coup de mettre le suspense, hein. Parce qu'il faut faire gaffe à quelle heure on fait des bébés. Ah, on peut pas faire des bébés. Très bien. Genre, on se connaît pas assez. Ça va, on s'est rencontrés il y a quand même facile 4-5 heures au milieu de la rue. Hein. Moi, je trouve que... voilà. Allez, c'est bon. Ouais, elle est d'accord. Allez. On est parti. En voiture, Momon. Enfin, Dina. Enfin, on s'est compris, quoi. Alors, la maison est pourrie, mais le mec est pas dégueulasse, quand même. Ouais, pire. Pire. Je vous avais dit que c'était l'épisode du crack-crack. Bon, il va falloir attendre 24 heures, par contre, pour savoir si ça a pris. Essayez. Alors, tu as faim. Oui, alors il faut que je t'explique. Ici, on mange dégueulasse et après on vomit et on se sent bien. Voilà. Ça s'appelle la maison de l'anorexie. Tu connais pas, tu vas voir, c'est sympathique. C'est glamour, sexy et tout, c'est un truc de fouf. Oui, c'est pas bon. Oui, on sait que c'est pas bon. Côté, il y a des déchets radioactifs partout, contente-toi de ce que t'as, c'est pas mal. Elle. Oh, demain, fruits frais. Ouh. T'en as de la chance. Allez, file au boulot, c'est bon. Oh, le courrier. On n'a pas de sous pour payer les factures, hein, je vous le dis. Mais comment je peux avoir 4912 sinflous de factures payées? Avec une daubasse comme ça, comme baraque, y'a rien, y'a que dalle. Oh, ça vous avez... c'est une angoisse là, 4000, mais c'est même pas ce qui se fait dans la semaine. Bon, bah, qui a besoin d'électricité, j'ai envie de vous dire. C'est tout un impôt, hein. On n'a pas besoin d'électricité, et puis l'eau non plus. De toute façon, juste pour se laver les mains. Putain la vache, mais comment c'est possible quoi? Je suis Mais c'était autant que ça les dernières fois? Non mais même mon hôtel à Sulani, je paye pas autant. Mmh. Eh ben mon gars, t'as à avoir de la promo, je te le dis. Parce que... pourquoi y avoir de la thune, hein? Non mais 4900. Alors, mesures draconiennes. La direction annonce à Angelo que pour atteindre les objectifs, il va falloir prendre des mesures draconiennes. Angelo a décidé s'il faut supprimer toutes les primes cette année ou fermer une succursale qui n'est pas rentable. Dans les deux cas, sa décision ne sera pas populaire. Bon, écoute, on va supprimer les primes, hein. C'est mieux que de virer tout le monde. Hein. D'accord, donc tout le monde m'en veut. Ok, bah vous êtes ma... bah la prochaine fois, je vous ferai virer, tiens. Et Angelo, il en est où, lui? Ouais, bah je pense qu'il aura pas sa promo aujourd'hui. Oula. Oh bah, elle est pas trop perturbée. Par contre, lui faire faire à manger, je crois qu'elle a aucune compétence en cuisine. C'était peut-être pas une bonne... c'était peut-être pas l'idée du siècle. Elle a réussi à pas foutre le feu en ayant zéro en cuisine et en cuisinant pendant un tremblement de terre. Alors Dina, ma chérie, je sais pas ce qui t'est arrivé pendant les vacances, mais clairement, tu t'es améliorée. Bon allez, on va attendre qu'il rentre de... j'espère qu'il a sa promo, mais... Nine.
Non mais 424, comment je vais faire pour payer les factures? Bon, et bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si on veut faire un petit résumé, je pense que c'est plutôt un bon épisode. Puisqu'on a enfin rencontré quelqu'un. Ah merci mon dieu. Espérons qu'elle ait une petite brioche au four. Hein. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous ceux qui suivent cette série. Je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et j'espère que vous en avez autant à la regarder. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis. On se retrouve très très vite en live ou pour la suite de l'apocalypse. Ciao tout le monde. Thank you.